Mana est un jeu de stratégie abstrait pour deux joueurs. Le but est de déplacer ses pièces pour capturer le chef adverse. Dans Mana, le plateau est représenté par un carré de 6 cases sur 6. Les cases peuvent être simples, doubles ou triples. Chaque joueur commence la partie avec 6 jetons de sa couleur, un Daimyo et 5 Ronin. Celui qui joue noir positionne le plateau de manière à avoir la case triple à sa gauche. Les joueurs placent leurs pièces sur la rangée qui leur fait face. Le Daimyo doit obligatoirement être sur une case double. Noir commence. Lors de son tour, le joueur actif doit déplacer l'une de ses pièces. Il peut le faire dans n'importe quel sens, mais ne peut pas aller en diagonale. Il n'est pas non plus possible de passer au-dessus d'une autre pièce ou deux fois par la même case. Si la pièce se trouve sur une case simple, elle bouge d'une case, de deux cases si elle est sur une case double et de trois cases si elle est sur une case triple. Si la pièce termine son déplacement sur une case occupée, elle la capture. Si un joueur ne peut plus se déplacer, son adversaire rejoue un tour. Et si son Daimyo est capturé, il perd immédiatement la partie. L'oiseau Mana vient ajouter des contraintes. Le joueur actif doit obligatoirement déplacer une pièce qui se situe sur une case du même symbole que celle de l'oiseau Mana. Si aucune case ne correspond, il peut choisir n'importe quelle pièce, ou réintroduire sur le terrain une pièce capturée. À la fin de son tour, l'oiseau Mana est placé sur une case vide du même type que la case d'arrivée de sa pièce. Pour conclure, Mana est un petit jeu abstrait simple, mais stratégique.